message. Dans la lettre, certaines surprises ne se déroulent pas sur notre plateau. Elles n'en sont pas moins belles ou moins émouvantes. Vous allez en avoir la preuve tout de suite. Et comme il est de coutume dans notre émission, tout a commencé par une lettre destinée à l'un des chanteurs préférés des Français depuis plus de 35 ans, Patrick Bruel. Retour quelques semaines plus tôt, quand je suis allée retrouver Patrick Bruel pour qu'il me fasse découvrir la lettre qu'il avait choisie. Ouh là là, en pleine lecture, en pleine concentration, ça va? Ça va et toi? Ouais. Je suis en train de relire. T'as l'air bouleversé. Mais franchement, c'est bouleversant. Bouleversant, carrément. Il n'y a pas d'autre mot, c'est... J'en ai lu beaucoup hein, pour cette émission. J'en ai lu beaucoup et ça n'a pas été simple de choisir parce qu'il y a eu beaucoup de choses et souvent très émouvantes. Alors, c'est quoi l'histoire déjà? Alors, qui t'écrit? C'est Audrey qui écrit au nom de ses copines, parce qu'elles sont là toutes en photo, pour leur copine Carole. Et la description qu'elles font de Carole fait que tu as envie de la rencontrer, tu as envie de lui faire plaisir, tu as envie de la féliciter. Et t'as envie de lui dire merci, surtout merci pour ce qu'elle fait. Alors elle fait quoi? Parce que ce qu'elle fait est extraordinaire. Elle est éducatrice spécialisée. Elle est chargée de trouver à des nouveau-nés des familles d'accueil. Ses enfants sont des enfants nés sous X. La manière dont elle le fait, c'est extrêmement touchant. Tu sens que c'est une belle personne et tu sens surtout que c'est un... Elle rentrerait dans le cadre de tu sais, cette chanson qui s'appelle « Héros » que j'ai écrit où j'ai envie de parler de ces gens dont on ne parle pas, ces gens qui font tant pour les autres tout le temps et qui ne sont jamais mis en lumière et qui ne se mettent pas en lumière. Donc oui, j'ai envie de faire plaisir à Carole. Alors j'imagine que Carole est fan de ce que tu fais, de ton répertoire. Carole, oui, ouais. Qui visiblement connaît tout ce que je fais, a été à pratiquement tous mes concerts, même plusieurs fois à chaque concert. Mais elle a visiblement énormément de pudeur. Franchement, je suis ravi de rencontrer cette personne, en tout cas. Est-ce que tu es prêt à annoncer à Audrey que tu as retenu sa lettre? Parce que c'est un grand moment, déjà. Elle va être super contente pour son amie. J'imagine, oui. Donc, il y a ça. Et puis après, il va falloir que vous organisiez le moment, la surprise. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne chance, alors, pour cette surprise. On a hâte de la découvrir. Merci. Et en effet, quelques jours plus tard, tout s'est organisé pour que Patrick annonce à Audrey, qui a écrit au nom de toutes ses amies, que c'est sa lettre qu'il a choisie. Celle-ci ne se doute pas qu'elle s'apprête à rencontrer l'idole de Carole. Elle pense se rendre à un tout autre rendez-vous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, enchantée. Audrey. Oui, c'est ça, Audrey. Patrick, enchantée. Enchantée. Quand je vois Patrick Bruel, j'y crois pas. C'est hallucinant, c'est dingue. Derrière mon masque, je suis toute rouge. Je sais pas comment je dois réagir. C'est dingue. J'ai reçu beaucoup de lettres. J'imagine. J'en ai lu pas mal, vraiment, et qui m'ont beaucoup touché parce qu'à chaque fois, c'est très habité, c'est très justifié, en tout cas. Mais là, il y a forcément quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est tout ce que fait Carole. Et j'ai été très touché par son métier. Elle est très attachée à son métier, en fait. C'est ce qui l'anime et nous, c'est ce qui nous touche. Quand elle en parle, on le voit dans ses yeux, parce qu'elle investit. Je sais qu'elle peut en passer des nuits blanches, être des jours aussi à s'inquiéter. En même temps aussi des moments de bonheur qui sont immenses, en fait, avec les petits bouts de chou des fois qui lui rendent, et puis de voir les familles heureuses après. Je suis touchée, en fait, de parler de mon amie. C'est une personne vraiment qui est exceptionnelle, et de pouvoir, en fait, lui faire cette surprise, c'était tellement inespéré, parce qu'on a écrit cette bouteille, enfin cette lettre, c'est un lapsus, mais c'est un peu comme une bouteille, comme une bouteille à la mer. Ouais. Et voilà, c'est au nom de mes trois amis aussi que voilà, que je suis là et qu'on a écrit ensemble cette lettre. Au quotidien, elle donne beaucoup. Et là, c'est à elle de recevoir, en fait, maintenant. C'est ce qui m'a touché dans la lettre. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, c'est de vous rencontrer, vraiment. Est-ce qu'il y a une chanson qu'elle préfère ou... Il y en a plusieurs, mais je sais que C'est la vie, c'est une chanson qu'elle apprécie. Ah ouais, pour la vie, ouais. Oui, pour la vie, pardon. Ouais, non, mais c'est pareil, ça commence par C'est la vie. Et oui, une chanson de copine ou Place des grands hommes, un truc... Voilà.
Mais c'est plus original pour la vie. Ouais, ça serait bien ça, d'adapter des paroles un peu à la. Juste pour elle. Patrick, ouais, qui chante une chanson juste pour elle. Ouais, c'est exceptionnel. Quand je discute avec Audrey, je trouve que pour la vie, elle a une force tout à fait appropriée. Il va falloir juste trouver des paroles adaptées à Carole et à son histoire. Surtout, il faut vraiment garder le secret, quoi. Ah oui. Il ne faut pas qu'il y ait de gaffe. Il ne faut pas laisser traîner un message ou quelque chose. Ou... Mouettus. Au dernier moment. Ah non, c'est sûr, mouettus. Heureusement, le secret a été bien gardé et quelques semaines plus tard, le grand jour est arrivé. La surprise se déroulera dans un restaurant de Grisy-les-Plâtres où Carole et ses amis ont l'habitude de se réunir. L'établissement est fermé en ce moment et nos équipes en ont profité pour investir les lieux. Les préparatifs ont duré toute la journée. Il est temps d'aller frapper à la porte de notre éducatrice spécialisée au grand cœur. Elle est à mille lieues d'imaginer ce qui l'attend. Bonsoir. Carole, j'ai un message pour vous. Je sais pas si je vous suis en vrai. Lucie ? Je sais pas, mais il faut que je les suive. Ok. Bon. Mais une surprise. Je suis pas maquillée. Je suis pas coiffée. Pas de panique, Carole, vos amis ont pensé à tout. Et oui, Audrey a bien imaginé que Carole n'aimerait pas se retrouver devant les caméras sans avoir pu se faire une beauté. C'est normal que j'ai mon cœur qui batte très très fort, là. C'est tout à fait normal. Alors avant d'être emmenée au restaurant, Carole arrive dans un petit carloge où l'on a reconstitué son dressing. Enchantée. Elle va pouvoir s'habiller et se maquiller comme si elle avait su qu'elle allait sortir ce soir. Mais évidemment, elle n'a toujours aucune idée de ce qui l'attend. Qu'est-ce que tu aimerais porter pour aller, Pour aller où ? J'en sais rien, c'est ça le problème. Et oui, Carole ne sait pas qu'elle se rendra ensuite dans un restaurant qu'elle connaît bien, où ce soir, la plus incroyable des surprises s'est organisée pour elle. Patrick Bruel, qui a entièrement réécrit une chanson pour Carole, est caché. Les quatre amies sont prêtes. Tout le monde attend Carole avec impatience. Et justement, elle quitte le carloge. Du coup, ça y est, je me sens apprêtée. Déjà, ça me donne confiance. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. On remonte dans la voiture. Et du coup, on s'arrête devant un de mes restaurants préférés où je vais de temps en temps avec mes amis. Donc, je me dis, bah tiens, là, je connais, mais qu'est-ce qui m'attend, quoi ? Je pousse la porte et là, je vois mes amis comme ça. Et de loin, je vois déjà leurs yeux humides. Et je me prends cette boule d'émotion qui me touche aussi en plein cœur. Vous êtes sérieuses, les meufs ? Je vous aime. Attends, commence pas. Je m'en fous, je vous aime. Commence pas, Carole. Je suis allée. Ma petite Carole. Tu dois sûrement te demander ce que tu fais là et la raison de notre présence à toutes ici. Si nous sommes toutes réunies ce soir, c'est pour mettre à l'honneur la personne exceptionnelle que tu es. Dans ton métier d'abord, tu accompagnes chaque enfant, chaque famille qui croise ton chemin avec tellement de tendresse et de bienveillance que tu leur permets de vivre le plus sereinement possible la nouvelle page du livre de leur vie. Et pour cela, nous t'admirons toutes. Tu es une femme investie et pleine d'énergie. Tu trouves toujours de belles idées afin de réunir petits et grands autour de moments magiques et inoubliables au sein de notre petit village. Et pour ça, on voulait aussi te dire merci. Chaque mot me touche, mais chaque mot me transperce, en fait. Carole, tu es aussi une maman merveilleuse, tellement attentionnée et à l'écoute. Tu t'efforces chaque jour de faire vivre un rêve éveillé à Lucie et Émilie. Et la complicité qui vous lie est belle à voir. Enfin, nous voulons te dire à quel point nous sommes chanceuses que la vie nous ait fait rencontrer une si belle personne que toi. Une amie en or, toujours à nos côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu nous réconfortes, tu nous soutiens et tu nous fais rire aussi. Alors cette soirée, tu l'auras compris, elle est pour toi, pour la maman, pour la femme, pour l'ami au grand cœur. Ne change rien,
On t'aime, notre amitié c'est pour la vie. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a quelque chose à te dire. Je vois des jeux de regard entre elles et je me dis, mais il se passe quelque chose. Une amitié main dans la main, il y a 6 ans, tu t'en souviens? Elles ont croisé ton chemin, et puis depuis, vous ne faites qu'un. Tu distribues du bonheur, Carole, toujours la main sur le cœur. Quand tu donnes depuis 15 ans, tellement d'amour pour les enfants. Une amie comme toi se mérite, si généreuse, si pudique. Ta bonne humeur fait du bien, elle t'aime tant, c'est pas pour rien. Ce soir tes amis sont si fiers de pouvoir te mettre en lumière. C'est la vie, c'est ta vie. C'est la vie qui nous change et qui dérange toutes nos grandes idées, surtout pour la vie. Pour la vie, pour la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. Tu es leur plus belle rencontre depuis tout ce temps. À leurs yeux, tu comptes, Carole, elles t'aiment tant. Toutes réunies par vos enfants, vous en avez passé du temps à partager à 4 femmes des fous rires jusqu'aux larmes. Vous êtes toutes devenues quelqu'un dans le village ou plus loin, sans jamais se perdre de vue, mais vous ne vous quitterez jamais plus. Ton bonheur à la maison, Eric et tes filles dans les bras. Émilie et Lucie ont de la chance d'avoir une maman comme toi. Tu les as si bien entourées, c'est si beau de vous voir vous aimer. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie qui change et qui dérange toutes nos grandes idées, surtout. C'est la vie, c'est la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. Pas besoin de faire semblant, ça sert à rien. Chaque jour qui passe, on apprend que Carole nous fait tant de bien. À quoi ça sert d'aller contre? Ça sert à rien. Chaque jour qui passe, on apprend qu'on suit tous le même chemin. Quand la chanson s'arrête, j'arrive pas à le croire. Parce que c'est ma vie qu'il chante et ça me touche tellement. Et là, c'est Patrick Bruel. Bonjour. Bonjour. Ravi. Enchantée, Carole. Très, très enchantée de te rencontrer. C'est ouf. Tu peux dire que tu as des amis formidables. Ah, mais vraiment formidables. J'en doutais pas même avant aujourd'hui. Mais tu j'en peux te dire aussi qu'on a les amis qu'on mérite. Et qu'à travers leurs lettres, parce que j'ai reçu une lettre, en fait, qui m'a bouleversée. Bouleversée parce que cette lettre décrit ce que tu es, mais à chaque mot de cette lettre, on voit la personne qui s'efface derrière ce que tu fais. Et c'est ça qui est extrêmement touchant. Tu fais un métier merveilleux, ça doit pas être simple tous les jours, ça doit être émotionnellement parfois difficile, ça doit être des up and down, mais à l'arrivée, tu dois être te sentir très gratifié. Je m'occupe de trouver effectivement un projet de vie à des enfants qui naissent sous le secret et quelquefois des enfants un peu plus grands aussi, oui. Voilà, qui peuvent être abandonnés plus tardivement. Et du coup, bah, c'est toujours trouver une famille pour un enfant. J'aime prendre soin des autres, je suis plus gênée quand on prend soin de moi. Mais je suis heureuse que mon métier ait été mis à l'honneur. Alors, ce que je propose, c'est peut-être qu'on aille au piano. Et puis, on fait quelques petites chansons ensemble. Allez. En effet, Patrick Bruel a bien l'intention de prolonger ce beau moment. Et quel meilleur cadeau pour Carole qu'un petit concert improvisé. Le sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. Sur la télé, la neige a envahi l'écran. J'ai vu des hommes qui courent, une terre qui recule. Autour du piano, c'est assez incroyable parce que ce moment, je l'ai rêvé. Alors regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors
Regarde un peu, tu verras tout ce qu'on peut faire. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et vous aussi. Et là, je me dis, je sens les vibrations. Et là, c'est un moment incroyable. Il joue pour moi, on se regarde face à face. Bon, quelle chanson ? Une vieille chanson, ok ? L'appart ? Mais ouais ! Ah non, mais tu viens me chercher sur des trucs... C'est incroyable, mais oui, on se sent un peu comme à la maison. Et là, je profite de ce moment-là. Je m'étais dit, tiens, je pouvais peut-être vous jouer une nouvelle chanson qui s'appelle Le Fil, qui est une chanson... sur le lien indéfectible entre un père et son enfant. C'est un petit message à mes ados, évidemment, mais je crois que ça peut être un message au vôtre également. Dire qu'hier encore, j'ai vu grandir ton petit corps qui veut s'enfuir dès qu'il a tort. Moi qui t'ai appris à tenir sur tes deux guiboles, tu me voyais comme une idole. Mais aujourd'hui, j'avoue, tu m'étonnes. Tu me défies, t'en fais des tonnes. Tu joues alors. Car moi, je me sens dépassé par les événements dans ma mémoire. T'es qu'un enfant. Ne perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Tu sais, je ne te le dis pas. Perds pas le fil, entre nous c'est si fragile, si délicat, mais sache à quel point je suis fier de toi. Lorsque l'on s'engueule dans cette épreuve, les parents seuls font ce qu'ils peuvent, pas ce qu'ils veulent. Oui, ne t'en fais pas, ton père aussi fait des folies, tu en feras, tu verras. Encore une année, tu seras plus fort que moi, plus élancé. Regarde-toi dans le grand miroir qui aura vu passer l'histoire de nos débuts. À ton départ, ne perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Tu sais, je ne te le dis pas, perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Mais sache à quel point je suis fier de toi. Tu sais, je ne te le dis pas, perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Mais sache que je suis tellement, tellement fier de toi. Après ce moment inoubliable, il est temps pour Carole de découvrir la lettre que ses amis avaient adressée à Patrick Bruel, cette lettre par laquelle tout a commencé. Ça me touche de mettre en lumière des gens qui ne le sont pas, des gens qui font tant pour les autres et dont on ne parle jamais. Et elle fait partie de ces gens-là. Je peux la lire, cette lettre ? Ouais, du coup, tu m'as... Tu vois ? Je découvre les mots posés sur cette lettre et ils sont tellement jolis. Forcément, je m'effondre à ce moment-là. Ça restera à jamais gravé dans mon cœur. C'est très émouvant. Carole, elle méritait une telle surprise parce qu'en fait, c'est une personne exceptionnelle au quotidien. Je suis hyper heureuse qu'on soit toutes les 5 réunies. Je pense qu'on était liées, mais ça va encore nous lier encore davantage. Je vous remercie parce qu'à travers une surprise qu'on me demande de faire, c'est moi finalement qui reçois beaucoup d'émotions. Donc merci pour ça, c'était super. Vraiment. C'est un peu irréel, mais... Je l'oublierai pas. Moi non plus. Merci Patrick. Merci à toi, merci à vous. Merci.